Salut. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. En fait, j'ai mon feu rouge qui est sur trois niveaux. C'est mini plus, pardon. Qui sont trois niveaux et deux niveaux sont là. L'autre soir, j'ai eu un bruit énorme dedans. Je crois qu'il y avait une souris. Et puis, en fait, c'était un papillon sphinx qui est sorti là. Alors, je vais vous montrer un peu les dégâts qu'il fait. Alors, ça vous bouffe de la cire sur les côtés comme ça. Ça vous fait des trous. Là, j'en ai. Bon, là, on le voit pas trop sur celle-ci. Mais bon, à part là, ouais, à part celui-ci. Mais j'en ai d'autres. Alors, je vous dis, c'est impressionnant. J'ai mis un coup dedans et il est sorti. Bon, les abeilles étaient en folie. C'était impressionnant. Et en fait, je viens de remarquer quelque chose, c'est que il y en a un qui est décédé au fond. Alors, ils arrivent à rentrer. Hein. Bon, il s'est fait allumer celui-là. L'autre, non, il est bien sorti, mais celui-là, il s'est fait allumer. Alors, je vais essayer, parce que là, j'ai pas pris de pied. Genre. Je suis mal. Comme ça, je vais essayer de le choper. Le niveau du bas est pas trop rempli. Ça tombe bien, je vais peut-être en supprimer un. Faites voir. Allez. On va regarder si on joue le soleil. Si on voit quelque chose. Attendez. On marche, on marche. Alors, si ce niveau est un peu pendu ou pas. Attendez, le soleil. Ah, bah si, en fait, oui. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça devrait être pendu. C'est pas que ça devrait être, c'est pendu. J'ai un truc qui me marche sur le visage, je sais pas ce que c'est. Ouais. Bon, c'est tout pendu, donc on va la laisser en bas celle-là. Hein? Bon, là, les frelons, il y en a encore. Tous les jours, j'en marque 5 ou 6, mais pas plus. C'est assez. C'est calme, enfin. C'est calme. C'est beaucoup plus calme que l'autre rocher. C'est assez calmé aussi, mais ça revient. Le problème, il est là. Donc attendez, je vais faire attention parce que là, regardez, je me suis chopé la main avec une serpe. Alors j'ai pas envie de me faire piquer sur la plaie. Ça serait pas très sympa. Alors il est là. Voilà. Ouais, il est moche celui-là par rapport à celui que je vous ai pris en photo la dernière fois. Hein. Ouais, ils ont bien propolisé. Et on voit pas la tête de mort sur celui-ci. Qui normalement ici. Alors, quand je vous mets la photo de l'autre. Hein. Il est mort, hein, ouais. Il est bien mort. C'est moche, on dirait une grosse blatte de ce côté-là sans les ailes. Mais si je coupe les ailes, là. Attends, ah, pétard. On fait. Alors, si je coupe les ailes, c'est bien une grosse blatte. Hein. Oh, c'est moche. Bon, enfin, voilà. Bon, ben les mini plus sont pas trop moches. Hein. Alors, on voit bien qu'il y a du varroa qui s'est bien cassé la gueule au fond. Hein. Vous les voyez les varrois? Alors on les voit bien. Hein. C'est normal, je traite. Hein. Ils ont leur petite bande apivare. Ah, il y en a pas mal. Hein. Donc tout ça, c'est des apivares. C'est des varrois morts. À côté, il y a la grille, donc ça tombe. Malheureusement, celui-ci n'est pas entièrement grillagé. Donc toutes mes ruches sont ouvertes dessous. Hein. J'ai des planchers totalement ouverts, grillagés entièrement. Et il le reste toute l'année. Je ne ferme pas dessous. J'ai eu déjà des soucis d'humidité. Un petit frelon. Allez, puisqu'on y est, je vais essayer de vous le choper. Voilà, il est là. J'ai mon antipus. Allez, un petit coup de. Tchouf. Un petit coup de spray. Et hop, c'est parti. Il est plus dans le filet, il est reparti sans problème. Alors puisqu'on y est, là je vais vous montrer une petite astuce. Quand vous avez des cadres noirs que vous voulez virer. Que vous voulez virer mais qu'il y a encore de la ponte, il y a encore de la nourriture dedans. C'est très facile. Vous le déplacez sur votre droite, hein, comme ici. C'est celui-ci que j'aime. Qui est dans ce cas-là. Ah, il fait feu. Donc vous foutez une partition et vous le foutez après la partition. En cette période, les abeilles vont continuer à naître. Donc voilà, par exemple celui-ci, qui était assez moche, je l'ai déplacé donc après la partition, il y a quelques jours de ça. Et voilà, elles ont tout vidé, tout nettoyé. Le cadre est super propre, mais très noir. Donc voilà, lui, il part. Et je fais pareil pour les prochains. Alors donc là,
vous avez votre partition. C'est sûr, vous êtes, je suis sur 9 cadres pour faire ça. D'accord ? Il faut sacrifier un cadre s'il est plein ou le plus moche. Ou... C'est vous qui voyez. Mais sinon, ça fonctionne très très bien. Ok ? Ça, c'était l'astuce. Ciao.